Bonjour à tous, futurs juristes et aux étudiants lambda qui ont envie de connaître leurs droits. Aujourd'hui, on parle de l'éloquence. Alors, juste avant de commencer et de vous inviter à suivre la totalité de ma vidéo, je fais juste un tout petit point parce que ça m'est arrivé il y a quelques jours et je trouve ça plutôt désagréable. Géomantis Media est là pour vous informer de vos droits, donc évidemment, je suis là pour répondre à vos questions sur les réseaux sociaux, par message, par commentaire, par mail également. Mais je ne suis pas là pour qu'on me demande des informations personnelles, ça ne m'intéresse pas du tout. Mon média n'est pas fait pour ça. Je considère que YouTube ce n'est pas mythique. Voilà, maintenant que ce petit point est fait, vous pouvez me suivre sur mes réseaux sociaux évidemment et me poser vos questions si elles sont en rapport avec le droit. On parle tout de suite de l'éloquence parce qu'on trouve ça toujours important en droit et c'est vrai que c'est une question qui est souvent demandée. On me dit, est-ce que c'est important d'être éloquent lorsque l'on fait du droit? L'éloquence, c'est quoi déjà? L'éloquence, c'est émouvoir, c'est toucher par la parole, qui impressionne, qui est expressif, significatif, parlant. L'éloquence, le but, c'est quoi? C'est de convaincre. En gros, on veut ramener quelqu'un à sa cause. Est-ce que l'éloquence est important lorsque l'on fait du droit? Est-ce qu'il faut être éloquent? Allez, l'éloquence, c'est comme les maths, c'est comme le droit constitutionnel, c'est comme beaucoup d'autres matières, ça se travaille. Apprendre à être à l'aise avec la prise de parole, apprendre à être avec vos mots, avec votre articulation, que je n'ai pas toujours par exemple, ou avec votre diction, c'est toutes des choses qui se travaillent et pour ça, il y a pas mal de petites méthodes. Pendant les études de droit, et malheureusement, nous n'avons pas de cours d'éloquence, ou ça peut être lors d'exposés, etc. Mais sinon, vous n'avez pas de besoin de l'éloquence en soi. Pour moi, l'éloquence, c'est savoir parler dans toute situation, quelle qu'elle soit, et convaincre son audimat. Ça ne veut pas dire que finalement, la personne va suivre notre portée, mais c'est établir que la personne va considérer que notre vérité peut être aussi la sienne. Je ne sais pas si on voit mieux avec ça, enfin bref, c'est un peu catastrophique, toujours mes histoires de luminosité. Alors, comment être éloquent? Je vais vous donner quelques petits conseils pour être éloquent, parce qu'il en sert tout de même que si vous souhaitez être avocat, ou de toute manière, si vous souhaitez être en entreprise, de toute manière, vous aurez besoin de l'éloquence. Ça ne veut pas dire savoir parler avec des super mots intellectuels et être une tête intellectuelle, ça veut dire savoir poser ses mots, ses phrases et être à l'aise avec. Et pour ça, déjà, c'est apprendre à bien savoir lire. Contrairement à ce que l'on croit, et comme mon grand-père disait souvent, coucou d'ailleurs si tu passes par là, il est important de savoir bien lire. À partir du moment où vous savez lire un discours, il est plus simple pour vous de vous projeter dans votre discours. La structure d'une phrase dans sa globalité, même si on sait très bien que c'est sujet, verbe, complément, savoir poser les points, les virgules, en tout cas savoir poser la ponctuation. Comment bien travailler sa diction? Eh bien, lisez à haute voix. Je pense que c'est une très bonne solution. Lire à haute voix, ce n'est pas lire rapidement pour finir de lire le texte. C'est poser les mots afin de les comprendre au moment où on les lit. Parce que l'éloquence, c'est quoi? C'est aussi faire comprendre une idée uniquement avec la voix. Si l'on va trop rapidement, il est évident que la personne en face de nous ne comprend pas. Pour moi, il faut travailler son élocution. Déjà par la lecture, mais pourquoi pas avec des super méthodes d'élocution très typiques, avec le stylo par exemple. Exemple, des efforts de diction comme ma, mes, mi, mes mots, toutes ces choses-là. Être éloquent, c'est également savoir se positionner, être à l'aise avec soi-même en fait. En réalité, bien, on est bien plus éloquent lorsque l'on a confiance en nos mots. On peut ne pas avoir confiance en soi, mais confiance en nos mots, confiance en ce que l'on clame. Et ça, c'est très important, la position que l'on a lorsque l'on parle. Je me mets face à toi, je te regarde, tu m'intéresses et je veux te convaincre. C'est ça qui est aussi important dans le discours et dans l'éloquence de manière globale. Comme je disais également, un autre conseil pour être éloquent, c'est les mots. Pour apprendre à convaincre avec ses mots, il y a pas mal de bouquins, notamment ceux de Bertrand Perrier. Et d'ailleurs, je vous invite également, si vous voulez apprendre à être davantage éloquent, etc., à vous munir de jeux. Parce qu'il est bien plus simple de faire cet exercice d'élocution dans un contexte
peu stressant que de le faire face à un concours directement et du coup qui est plus impressionnant où on a l'impression qu'il y a une pression certaine parce que on se montre aux autres vraiment dans toute son intimité. Pour pouvoir être éloquent, il faut prendre en considération qu'on donne de nous. L'éloquence, ce n'est pas seulement clamer un texte parce qu'on a fait un texte, c'est vivre son texte. Ça, c'est transmis par la passion, par l'intérêt, par l'intimité que l'on a mis dans son texte, etc. C'est des choses qui sont accessibles. Hein. Je vais vous parler d'un peu de mon parcours en éloquence, même si je suis pas du tout, encore une fois, une oratrice de renom ou je ne sais quoi. Personnellement, j'ai commencé à m'intéresser à l'éloquence au lycée. Dans mon lycée, il y avait la possibilité de concourir au concours du Lions Club, au concours d'éloquence du Lions Club. J'ai donc commencé en première à concourir au concours du coup d'éloquence du Lions Club qui m'a énormément plu. On a été coachés par des professionnels, on était accompagnés dans notre démarche, dans notre écriture de texte. C'était un exercice très intéressant. Concourir, enfin, être en face du monde, parce que c'était ça l'impression que ça m'en donnait, de face à un jury, composé de différentes personnalités, etc. Je trouvais ça super intéressant. J'ai donc fait 2 années de suite ce concours d'éloquence-là. Une fois, je me suis arrêtée au départemental, c'était très sympa. L'idée même pour moi n'était pas de concourir contre les autres, mais de concourir pour moi-même. C'était pas avec les autres ou contre les autres, c'était avec moi-même, et ça je trouvais ça très intéressant. Donc ça, c'était mes premiers pas dans l'éloquence. Une fois que je suis arrivée à la faculté, j'ai eu la chance de participer au concours iProcess, qui est un concours qui est organisé par ma faculté. Sachez que dans toutes les facultés, hein, il y a généralement un concours d'éloquence qui est organisé. Des fois, c'est à partir d'un certain niveau d'études. Dans ma faculté, on pouvait participer à partir de la L1. C'est donc ce que j'ai fait. Voilà. Mais ne jamais refuser de grandir. Et finalement, je me suis intéressée, puisque j'ai redoublé mon année, l'année d'après, je voulais toujours faire des concours d'éloquence parce que vraiment, je suis une férue des concours d'éloquence, j'adore ça, j'adore écrire surtout, et j'adore clamer aussi. Et du coup, j'ai cherché à faire un concours d'éloquence, un autre concours d'éloquence, mais il n'y en avait pas dans ma faculté. Du coup, je me suis allée à un concours d'éloquence de l'École nationale d'éloquence, qui est à Paris, qui organise des concours de temps en temps. Et j'y suis allée, mais alors là, les règles étaient très différentes. Il faut savoir que chaque concours a ses règles et a ses obligations devant un jury particulier, devant l'organisation particulière. Et là, pour le coup, je me suis moins retrouvée dans ce que je cherchais dans l'éloquence. Moi, j'aime bien la préparation. Et dans cette école d'éloquence-là, on prenait l'éloquence pure, c'est-à-dire arriver et clamer comme ça, sur un sujet comme ça, d'un coup, une prise de parole qui n'était pas préparée ou qui était préparée uniquement dans les grandes lignes. Moi, j'étais habituée tout de même à de la rédaction à minima, même si j'étais dans la lecture et dans le discours, mais j'étais quand même dans le préparation. Donc ça ne m'a pas forcément plu autant que mes concours que j'avais fait avant, parce que je trouvais ça beaucoup moins bien organisé. En tout cas, ça ne me convenait pas, moi, l'organisation qui était proposée. J'ai continué du coup à vouloir garder ce rythme, en tout cas de prise de parole. J'ai de toute manière ouvert ma chaîne YouTube à cette période-là, on était en 2018 sûrement. Voilà, pour moi c'était un bon exercice également. Puis le dernier concours que j'ai fait a été Eloquentia. Du coup je suis arrivée jusqu'au quart de finale, pas du concours national, hein, du concours départemental du coup, que j'ai beaucoup aimé. Mais en fait je me suis rendu compte dans la réalité que ce n'était pas le concours en lui-même que j'avais adoré, c'était le fait de participer à la formation d'éloquence. Et ça, c'était vraiment très intéressant d'avoir plein de tips d'éloquence, comment prendre la parole, etc. Le concours était la finalité, en fait. Moi, initialement, je faisais la formation pour accéder au concours et je voulais avoir davantage de conseils pour accéder au concours. Je me suis rendu compte que la formation en elle-même était une finalité et j'ai beaucoup apprécié mon passage à Eloquentia également. Tous les ans j'essaye de participer, ça veut pas toujours dire qu'on est pris, ça veut pas toujours dire qu'on aura le niveau, ça veut pas dire voilà, mais c'est toujours très intéressant. Et l'organisation et prendre la parole dans divers univers, dans différentes facultés, j'ai également participé au concours d'éloquence de la faculté d'Assas du coup, c'est très intéressant en fait, c'est se mettre en face de soi. Je sais pas, il y en a c'est la couture, et ben moi c'est l'éloquence, j'ai toujours
adoré ça. J'adore le concours, j'adore la pression, j'adore l'adrénaline, toutes ces choses-là. Il n'y a pas de nécessité à savoir bien parler, en vrai, c'est pour apprendre à se connaître. Pour moi, l'éloquence, c'est un parcours vers soi aussi. C'est savoir quelles sont ses limites, comment se gérer, gérer son stress, gérer sa tension, gérer ses mots. Qu'est-ce qu'on a envie de dire? Qu'est-ce qu'on a envie de partager? Toutes ces choses-là, pour moi, c'était essentiel. C'est la raison pour laquelle je me suis toujours renseignée pour faire des concours d'éloquence et autour de moi, etc. Voilà, du coup, c'était le petit point éloquence aujourd'hui. Je pensais que c'était un point important et général de manière globale dans vos études, que vous soyez en droit ou vous ne soyez pas en droit. L'éloquence, c'est toujours important. Celui qui sait bien parler aura toujours plus raison que celui qui avait la preuve mais qui s'est tu. De toute manière, on a besoin de l'éloquence, donc c'est une matière à travailler petit à petit. Et puis voilà, c'était Ifa Jumensis Media, la chaîne qui s'intéresse à vos droits. N'hésitez pas!